Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire déjà un petit point pour préparer la rentrée en septembre parce que j'espère que je vous proposerai de belles choses pour la rentrée. Vous avez vu, j'ai déjà changé l'intro, je vous ai fait une petite nouvelle intro et vous pourrez découvrir en fin de vidéo une nouvelle outro aussi. J'essaie un peu de changer l'habillage de la chaîne pour vous apporter quelques nouveautés. Il y aura toujours évidemment les vidéos qui ont fait un peu le succès de la chaîne. J'ai quand même noté 9 playlists majeures sur la chaîne. Donc les tests, bien sûr, continueront. Alors les tests, je vous ai écouté. Il y aura plus de gameplay en plein écran. Je vais essayer de faire des montages un petit peu plus sexy pour vous montrer un peu mieux le jeu. C'est un petit peu la remarque qui m'a été faite assez souvent. Donc ça va être corrigé. Il y aura toujours les jeux peu communs. J'en ai fait un peu moins ces temps-ci, mais évidemment, c'est une série qui va continuer pendant très longtemps sur la chaîne parce que c'est un système que j'apprécie beaucoup et que vous appréciez énormément. Les sorties JV, c'est une vidéo chaque mois qui fonctionne super bien. D'ailleurs, celle du mois d'août a fait presque 5000 vues, donc c'est top. Et je vous ferai évidemment celle du mois de septembre vers le 25 août, comme ça. Donc j'aime bien toujours la faire plus ou moins une semaine, environ une semaine avant la fin du mois, pour que vous puissiez préparer vos achats du mois suivant. Alors en parlant d'achat, il y aura toujours évidemment les jeux d'achat de collection. Donc là, vous avez vu, ça fait 3-4 fois que je la fais. Très longue, on continuera sur ce principe-là parce que vous après c'est quelque chose que vous adorez. La dernière vidéo de 3h15 minutes, elle a quand même été vue plus de 7000 fois, donc c'est quand même énorme pour moi, c'est quand même énorme. Donc on continuera sur ce format-là. Les unboxings qui continuent aussi parce que j'en fais énormément des unboxings. J'ai vu dans ma playlist qu'il y en a déjà beaucoup, beaucoup de collectors et d'autres éditions sympas à vous proposer. Alors ces jeux que j'ai platinés, je continue aussi. Bien que j'en platine de temps en temps sans en faire des vidéos parce que je ne sais pas si le jeu risque de vous intéresser, dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo pour chaque jeu que je platine. On continuera sur les objets qui sont liés au monde de l'arcade, comme les sticks, les Pandora, etc. On verra ce que je recevrai dans cette nouvelle année qui commence. Bien sûr, les vidéos débat. Que vous appréciez beaucoup, mais je ne peux pas non plus en faire trop. Donc les débats, il y en aura peut-être un par mois ou un tous les 2 mois, en fonction de l'actualité, de mon ressenti, etc. Je vous ferai toujours des petits débats, c'est toujours quelque chose qui est toujours très sympa et qui est beaucoup apprécié. Et les vidéos de top de fin d'année qui, elles, arriveront généralement entre les fêtes ou après les fêtes, donc le top flop de 2019. Et les top attentes de 2020, ce genre de vidéo que je vous fais chaque année. C'est un peu les gaming Ryu Gaming Awards qui seront faits encore comme à chaque fois, quoi. Donc ce top-là fonctionne toujours très bien. Donc voilà, donc on continue un petit peu sur la lancée. J'essaie un petit peu de changer l'habillage, de changer un petit peu la configuration, de faire quelque chose de plus sympa. J'espère que ça va vous plaire. Alors on est maintenant plus de 5000 sur la chaîne. Après 5 ans de vidéos, 5000 abonnés, ça peut paraître pas beaucoup, mais pour moi, c'est énormissime. Mon objectif, vous le savez, c'est d'atteindre 10 000 abonnés un jour. Donc là, je commence à y croire de plus en plus. Il y a la moitié du chemin qui est fait. Et j'espère que cette année sera prolifique, que ça vous plaira toujours autant. Donc merci à tous de me suivre. On se retrouve très vite pour plein de vidéos à la rentrée. Vous allez voir ici, j'ai 3-4 vidéos qui vont sortir pendant le mois d'août parce que pendant le mois d'août, je suis en congé sur toutes des vidéos qui sont planifiées, que vous voyez. Donc j'ai quand même tourné 7-8 vidéos qui sortiront, qui ont sorti et qui sortiront pendant le mois d'août. Donc histoire de toujours avoir du contenu sur la chaîne. Voilà les amis, on se retrouve très vite pour plein de choses. Merci à tous. Faites chauffer les consoles. A plus, à plus.